parfois des propositions. Mais les propositions, il faut dire que ce n'est pas devoir d'agir seulement de faire des propositions. Nous attendons des propositions de tout le monde, mais aussi proposer, c'est pas, c'est très facile de proposer. Mais il faut dire que ce qui est plus important, c'est ce vers qui nos propositions sont destinées. Parce que quelquefois, vous faites des propositions aux gouvernants qui sont ici, qui sont atteints un peu de surdité, voilà, qui n'écoutent pas, vous leur parlez, on leur dit ce qui se passe, mais c'est des gens qui sont victimes de leur cécité aujourd'hui, qui ne veulent pas écouter les jeunes, qui préfèrent parler de milliards, gaspiller des milliards, qui préfèrent jouer avec la destinée des jeunes, avec le destin des jeunes. Alors, devoir d'agir est une sentinelle. Nous sommes là et nous resterons là parce que nous aimons le Sénégal. Moi, je suis sénégalais, même si je ne suis pas né au Sénégal. J'ai fait une partie de mes études ici au Sénégal. Je suis encore ici. Alors, et nous comptons avoir notre place dans ce pays. Alors, aujourd'hui, vous parlez de devoir d'agir. Donc, c'est quoi votre. Enfin, je vous demandais comment vous voyez la corruption au Sénégal. Aujourd'hui, on sait que les gens sont très corrompus au Sénégal. Ben oui, tu mets le doigt sur. Un problème très important, c'est la corruption. On sait qu'au Sénégal, ben voilà, vous avez, je ne sais pas si vous vous souvenez, il y a un colonel de la gendarmerie déjà qui avait écrit un livre sur ces genres de pratiques. Il faut dire que c'est quelque chose de très récurrent. La corruption, elle est partout au Sénégal. Elle est dans nos administrations, elle est dans la rue, elle est partout. Ouais, mais donc, le Sénégal marche, faut le dire, avec la corruption. Parce que déjà, si quand j'analyse un peu certains marchés de gré à gré qui sont donnés à certaines organisations au Sénégal, mais ça, je pense que c'est de la pure corruption. Prenons l'exemple de Bolloré qui vient au Sénégal, à qui on donne une grande partie de notre espace maritime. Mais tout ça, il faut qu'on nous dise comment est-ce que tout ça s'est passé. Parce que l'histoire de ce type, par exemple, nous la connaissons bien. On sait bien ce qu'il a fait au Cameroun. On sait ce qu'il prépare en Guinée et dans bien d'autres pays. Donc, on se pose des questions. Voilà. Donc, la corruption, elle est partout. La corruption, et je pense que c'est l'un des maux aujourd'hui qui affecte ce pays. Et il faudrait que nous nous levions tous pour Le essayer. président de la République, M. Macky Sall, Ouais. son Excellence, lui, à son arrivée, il voulait promouvoir donc, Effectivement. enfin, la gestion sobre et vertueuse. Et aujourd'hui, vous devez agir. Comment vous voyez la gestion sobre Gestion sobre et vertueuse, vous savez, on a été habitué par ce gouvernement à débiter comme ça des slogans. C'est du genre PSE, c'est des mots, c'est des slogans. Gouvernance sobre et vertueuse, c'est-à-dire que c'est juste des slogans, parce que dans la réalité concrète, dans les faits, ce sont des choses que nous ne voyons pas. Parce qu'au même moment où on parlait de gouvernance sobre et vertueuse, on nous a mis un peu de la poudre aux yeux. Je ne sais pas si vous vous souvenez du 1er 4 avril de notre fête d'indépendance, on a dit c'était quoi? C'était juste une prise d'armes. Il y a eu la prise d'armes, mais après, qu'est-ce qui s'est passé? Pour la fête de l'indépendance, il n'y a eu qu'une prise d'armes, et quelques temps après, c'était la fête du parti du président qui est l'APR. Vous vous souvenez, c'est pas moi, je vais pas vous faire un dessin. On sait très bien ce qui s'est passé avec le député, comment il s'appelle, je sais pas si vous me pouvez.